bit. Tout le temps de boîte, puis juste le fait que je suis assise, ça m'a tout débalancé. Ça m'a tout énervé. J'avais joué devant, tu sais, une tapée de foule, j'avais joué devant des 1000 personnes à la fois, puis quand que je joue encore, j'y ai énervé des fois, puis le monde me dit, ben, après toutes les fois que tu as joué, tu es encore énervé, ben, oh oui! Ça, c'était la marmotteuse, la première tune. Vieille, vieille tune de Paris 7. Puis la deuxième, c'était une tune que mon père, que mon frère Peter a composée. Puis il l'a appelée la 5-minute rice reel. Quand que j'ai demandé, quand, la première fois que je l'ai entendu jouer cette tune-là, j'ai dit, oh, Peter, c'est une belle tune, ça. Il a dit, ouais, j'ai composé ça. Il a dit, ça, c'est easy, j'ai composé ça plus vite que ça te prendrait à faire de la 5-minute rice. C'est wow. Là que ça devient le nom. Wow, c'était vite, ça. Oui. OK, well, ça, c'est bien qu'on danse, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui. Rémi aussi? Oui. Thank you.
Oh, merci beaucoup. Ouh, je te dis, faut que je prenne mon souffle. Mais là, dans la dernière année, j'ai composé beaucoup. Et puis, j'aime beaucoup ça de composer. Et puis, on avait une pièce de théâtre cet été au village musical. Et puis, j'ai joué La Bonne et Je. Et puis, la 60e anniversaire. Ça fait que je vais encore la jouer pour vous autres aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci.
Penses-tu qu'on devrait danser assis, Star Hélène? Penses-tu? Oui. Mais comment un petit qu'on danse assis, là, ça ne veut pas dire qu'on est paresseuse. C'est des danses qu'on fait par ici. On aime ça faire des danses assises. Puis les jeunes aujourd'hui, il y en a aussi qui font des danses assises. Puis ça fait que ça fait une belle variété, la danse assise, la danse debout. On ne se tanne pas. Nos pères, c'était les premiers qui dansaient assis. Ça, c'est vrai, Hélène. Oui, ils tapaient les pieds. Oui, ils faisaient un coup de fin, c'est assez. Oui. Oui, ils dansaient de boîte aussi. Oui. OK. J'avais été jouée à Vancouver, Expo 86. Puis à ce temps-là,
j'avais pas vraiment un bon violon. Ça fait que mon beau-frère qui est décédé, Gérard, il m'avait prêté son violon pour aller à l'expo. Ça fait que c'est ce violon-là que j'ai joué, puis j'ai composé un morceau pour Gérard. Ça a appelé mon body Gérard. Et puis, avec ça, j'ai mis pas d'école, parce que pendant la pandémie, il n'y avait pas d'école. Puis au commencement, les enfants, je pense qu'ils étaient un petit peu excités parce que pas d'école, hey! Mais après un an, là, c'est pas d'école, plus de routine. Ça fait que j'ai composé une, ça s'appelle « Pas d'école », puis là, le virus. C'est vrai. Ça s'en vient, là. Ça s'en vient, il a dit. Oui, quand il pourra, on le fera chanter. Ça, c'est sûr. J'aimerais dire un gros merci au comité des aînés. Merci beaucoup, Jeannette, pour nous avoir invités pour venir jouer. C'est tout un grand plaisir de venir jouer. Ça fait que merci beaucoup. Merci beaucoup, Rémi, pour le son. Et puis, merci à vous autres. Bonne journée. Merci. Thank you.
Thank you.